the common modalités de gouvernance pour Il y a 12 ans, ben, moi, je trouvais. En fait, je suis parti d'un truc qui m'attristait vraiment, c'était de voir des jeunes brillants qui avaient plein de talent puis qui le gaspillaient ou qui en faisaient rien puis qui lâchaient l'école, qui travaillaient dans un IGA pour rien, tu sais. Alors qu'il y avait plein de talent puis. Puis ça, c'est souvent parce qu'ils n'avaient pas eu la chance de s'exprimer dans un milieu qui leur convenait. Un milieu qui manquait souvent de liberté. Ça m'attristait tellement. Je me disais, non, mais il faut quelque chose où les jeunes puissent s'exprimer, puis puissent grandir, développer des intérêts, développer de leur motivation, développer leur force, puis capitaliser là-dessus. Puis où c'est permis d'aimer quelque chose de différent, pas quelque chose qui t'est imposé par ton père ou ta mère qui t'a dit, OK, deviens dentiste. Puis le jeune, il s'en fout complètement d'être dentiste, mais il y a une autre passion qui souvent se fait casser dès le départ. Puis ça, je trouve ça tellement triste. C'est un des trucs qui peut me faire pleurer dans la vie. Fait que je me suis dit, non, ça prend une espèce d'école où c'est le bordel, où tu peux vivre dans une espèce de truc qui est très foisonnant, très effervescent, où tout se peut, tout est possible, il n'y a pas de limite. Puis en bateau, Tu décroches complètement. T'es plus dans une société, t'es plus à l'école, t'es plus dans un milieu de travail, t'es plus dans une famille, t'es en bateau. Puis c'est une micro-société qui se reforme avec chacun des équipages qui vient à bord. Donc c'est une dynamique qui se recrée, tout ça. Et il y a quelque chose de très simple en bateau, puis, mais qui n'existe plus malheureusement, qui est t'as faim, tu manges, t'as soif, tu bois, t'es fatigué, tu dors. Il y a du vent, t'avances, il n'y a pas de vent, t'attends. T'sais. Il y a quelque chose qui va au rythme de la nature, qui est en harmonie avec la nature. Puis finalement, c'est la nature qui devient le boss dans toute cette histoire-là, puis qui donne... Donc, puis la nature, elle a un rythme qui n'est pas effréné comme le rythme de travail ou d'études qu'on mène en ville ou ailleurs. Donc, c'est le temps de prendre le temps, de refaire, de reconnecter avec un rythme qui se peut. Puis ce temps-là permet, dans un milieu comme un bateau, de réfléchir à plein de choses, de comprendre plein de choses, de prendre un recul par rapport à sa vie, puis de développer des nouveaux intérêts, de découvrir des nouvelles passions, de voir que tu es bon dans ça, de construire ta confiance. Fait que c'est comme une espèce, j'ai toujours comparé ça à une encyclopédie vivante dans laquelle tu peux aller puiser les connaissances ou les apprentissages que tu avais besoin de faire selon où tu en étais rendu dans ton développement. Parce que, tu sais, toi, tu peux avoir super confiance en toi, mais il n'y a rien qui t'intéresse dans la vie, t'sais. Puis l'autre, c'est l'inverse, où il est juste intéressé par la mécanique, puis l'autre, il se rend compte que finalement, ou la biologie marine, waouh, il y a peut-être quelque chose là-dedans. Fait qu'il y a plein de sujets puis qui entourent, il y a beaucoup de notions théoriques, c'est autant de la chimie que de la biologie, que de la mécanique, que des relations humaines, que de la géographie, que de la cartographie, que de la météo, que de l'astronomie, tu peux tout toucher. Tous les sujets sont reliés d'une façon ou d'une autre à la navigation. Donc c'était vraiment de créer quelque chose de très motivant pour les gens, pour que quand les gens passent ici, nécessairement, ils trouvent une motivation. Fait que ça, c'était il y a longtemps, puis ça a comme évolué. Puis donc, pour ça, moi, je suis allé étudier en psychoéducation pour voir justement comment développer les forces du monde, comment travailler leurs intérêts, comment dealer aussi avec des jeunes, avec des problèmes ou pas de problèmes. Mais moi, comme je dis tout le temps, un jeune, par définition, c'est un paquet de problèmes. Fait qu'il faut... Tu sais, tout le monde est à différents niveaux, tu sais, mais il y en a que ça peut être un problème de drogue, l'autre, c'est un problème d'estime de soi, d'autres, tu sais, d'autres, il est juste écœuré, d'autres, il est juste révolté, en tout cas. Puis on peut les prendre, puis sur le bateau, l'affaire qui est intéressante, c'est qu'ils deviennent vraiment comme des petits agneaux, tu sais. Ils ont beau faire leur tough, là, mais j'ai eu un groupe, justement, hier, qui était ici. On est taqués, il se passe rien. Puis là, ils arrivent avec leur attitude, leur sac, tu sais, yo, moi, je suis cool, moi, je suis bon. Puis là, ils se rendent compte qu'ils connaissent rien pantoute, ils savent pas le nom d'une corde, ils comprennent pas pourquoi que ça bouge, ils ont quasiment le mal de mer, on est taqués, tu sais. Puis tout de suite, ils t'écoutent, ils te regardent différemment parce que t'es une autorité nouvelle qui leur présente quelque chose, un monde auquel ils n'ont aucune idée, tu sais.
Fait que, imagine quand t'es en mer, ils sont déstabilisés complètement, le bateau il bouge, il y a du vent de même, puis ton bateau avance de même. Qu'est-ce qu'on fait, c'est qui les voit, là, quel code faut tirer, ils sont comme complètement déstabilisés. Fait qu'on déstabilise, on défait toutes les schèmes cognitifs possibles et impossibles, puis là, après ça, on peut les matraquer, on peut les travailler au corps, puis ils deviennent. Tu sais, quand tu le fais avec attention, avec amour, je dirais, tu sais, quand tu le fais avec bonté, tu sais, quand les jeunes, ils sentent que tu es là pour les aider, pour leur apprendre des choses, tu sais. Fait qu'ils l'apprécient, puis ils te respectent pour ça, parce que tu les traites d'égal à égal. Puis sur un bateau, l'égalité est là, tu sais. Ça devient, tu sais, égalitaire, parce que tout le monde peut mourir, tout le monde peut être malade, tout le monde, tu sais, tout le monde a froid, tout le monde a faim en même temps, tu sais. T'es dans la même galère ensemble, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose de très égalitaire là-dedans, puis ça, c'est un truc qui est vraiment cool. Et donc, mon rêve, ben ça a été... Ça, c'est une partie du rêve, c'était les jeunes, mais pour ça, je me suis rendu compte en naviguant au fil des ans avec différentes personnes que des adultes aussi pouvaient bénéficier grandement d'un apprentissage sur un bateau. Tu sais, des adultes qui croient avoir tout compris, qui croient tout connaître, finalement, qui sont pas nécessairement si habiles que ça pour travailler en équipe, qui sont pas nécessairement si tolérants, qui sont pas nécessairement si conciliants, tu sais. Il y a beaucoup d'apprentissage humain. Fait que c'est vraiment un laboratoire humain avant tout, le bateau. Fait que le bateau, c'est un moyen que moi j'aime beaucoup, qui est un esprit de liberté, d'aventure et tout ça, mais au fond, c'est vraiment un moyen pour développer des forces humaines. Et c'est un moyen de découverte, fleuve Saint-Laurent. Le fleuve, de la même façon que en psychoéducation, on dit, t'sais, c'est le lien d'attachement qui va créer une relation significative avec ton thérapeute ou ta personne aidante, bien, de la même façon, le fleuve, pour s'y intéresser, il faut avoir, pour pouvoir le protéger, pour pouvoir l'aimer, il faut que tu crées un lien d'attachement. T'sais. Parce que la plupart du temps, on parle du fleuve Saint-Laurent à des gens, tu pourrais leur parler du désert du Taklamakan, ça serait la même affaire. T'sais. Ils n'ont aucune idée c'est quoi. Fait que, le fleuve, pour le protéger, il faut l'aimer, puis pour l'aimer, il faut le connaître. Puis pour le connaître, bien, il faut naviguer. Puis, donc, c'est un peu ça la séquence. Et en naviguant, tu sais, tu comprends. OK, il y a du courant à telle place. OK, il y a un haut fond là. Ah, je suis là. OK, je peux pas avancer là parce que le vent, il est contraire. Ah, là, OK, il y a des baleines. Ah, là, il y a telle situation. Fait que tu te réappropries par une expérience qui vient s'incarner. Tu es incarné. Puis c'est vraiment, mon objectif, c'est d'abandonner la maudite théorie. Il y en a assez, là, de la théorie partout. C'est d'arrêter de penser un peu puis de sentir les choses, de sentir le vent, d'avoir froid, d'avoir peur, d'être émerveillé, d'être inquiet, d'avoir des relations dans un milieu d'aventure. Je pense que le fun, c'est important dans la vie. On manque de fun. T'sais. Puis ça fait partie de l'apprentissage. Avoir du fun en mer, dans une expérience où... Tu sais, on est sorti aujourd'hui, il y a comme 2 heures, puis le monde se dit « Waouh, c'est merveilleux! » Mais tu sais, imagine quand tu passes une semaine en mer, puis tu fais de la navigation sous les étoiles ou dans le brouillard, il y a quelque chose de complètement magique qui change complètement ta vision du fleuve, ta compréhension, donc qui crée un attachement, puis lorsque on va te parler du fleuve, après, ben, tu vas pouvoir dire « Ah oui, tu as un référent! » Tu vas dire « OK, ça me dit ça, oui, OK, je comprends ce que tu veux dire! » Fait que c'était de créer ça, et de ça découle, en fait... toute une industrie et une culture maritime qui est à reconstruire au Québec, qui est disparue. Tu sais, avant les années 30, 40, 50, il y avait la construction de goélettes sur le fleuve, il n'y en a plus. Tu sais, les chantiers sont fermés. Puis il n'y a plus d'accès au fleuve, les gens ont tourné le dos au fleuve et on voudrait justement faire la promotion de tout ce qui englobe le fleuve, de tout ce qui entoure le fleuve pour que les gens se le réapproprient, y a accès et puissent même en vivre. Il y a plein de métiers de la mer qui sont super intéressants pour des jeunes qui ne savent pas quoi faire. Métiers payants, il manque de main d'œuvre au Québec, sur le fleuve, pour toutes les compagnies de transport maritime. Et nous, on est comme une plateforme où on a accès à des jeunes, où on peut dire, regarde, pas à tout le monde, c'est pas donné à tout le monde, il y en a qui vont aller étudier en sciences politiques ou quoi que ce soit, mais quand tu vois que quelqu'un ne sait pas trop, puis que ah oui, il aimait vraiment ça la mécanique, tu sais, ou il aimait vraiment ça la navigation, ça peut être un premier pas vers une carrière maritime. C'est fait qu'on veut s'inscrire dans le fleuve, dans ce contexte-là, dans un contexte de la culture aussi. Tu sais, il y a plein d'intervenants, des gens, qui ont des doctorats super spécialisés dans un domaine particulier relié au fleuve, puis qui ont peu de tribunes, peu de chance de s'exprimer, ils ont peu de public finalement. Donc nous, on a un public, on balade un public un peu partout sous le fleuve. Donc, puis on a un bateau qui devient une tribune, puis donner un accès à ces jeunes-là, donc des gens qui peuvent
faire profiter de leur savoir et de partager un peu de la même façon que ce projet-ci, c'est de partager le savoir. Et fait quand on va à Baie-Comeau, puis là, t'es un spécialiste, je sais pas moi, du requin du Groenland à Baie-Comeau qui t'en parle, ou qui, ça va être bien plus crédible que si c'est moi qui en parle. Ou un pêcheur en Gaspésie qui raconte c'est quoi l'histoire des pêches, son expérience de pêche. Et c'est comme ça qu'on se réapproprie le fleuve aussi, par sa culture, son histoire, etc. Mais oui. Moi, le fleuve, d'abord, c'est comme un terrain de jeu. C'est un gros terrain de jeu, super beau, sauvage. Puis c'est comme un autre pays, en fait, à l'intérieur même de notre pays. Quand tu vas sur la Côte-Nord, il y a des baies, t'es tout seul, il n'y a pas un chat, t'es dans le brouillard, il y a des baleines, il y a des phoques, c'est la grosse paix, puis c'est comme si tu sortais du pays un peu. C'est un terrain de jeu dans le sens où tu sais que ça brasse, c'est quand même rock and roll le fleuve, là, tu sais, il y a du vent contre marée, des fois, c'est un cheval sauvage un peu, tu sais, à apprivoiser, qui n'est pas donné à tout le monde, mais c'est ça qui le rend intéressant aussi. C'est un plan d'eau qui fait partie de notre histoire, c'est de là qu'on vient. Pour moi, il y a comme un attachement au territoire. Pour moi, je suis attaché au fleuve, en sorte que c'est... Mais je suis un gars d'eau, j'aime ça être sur l'eau, j'aime ça avoir froid, j'aime ça avoir du vent en face. Puis le fleuve, l'aspect sauvage du fleuve où il n'y a personne, ça c'est... T'sais, en même temps, je dis oui, j'aimerais que le monde y aille plus, mais en même temps, j'ai peur. Des fois, je dis si il y a trop de monde, c'est peut-être moins le fun. Mais en quelque part, bon, il faut partager. Puis tu vois, quand on croise des gens aussi, le milieu de la voile sur le Québec. Au Québec, c'est assez petit, fait que tu croises des mêmes personnes dans des marinas à gauche, à droite. Puis c'est le contact aussi avec, dans les marinas, les ports de pêche, les algues partout, les marches que tu peux prendre sur les grèves. C'est un terrain de jeu, c'est comme une aventure, c'est où il y a beaucoup de liberté, beaucoup de choses à faire. C'est long, c'est grand, c'est vaste. Tu peux te promener longtemps sur le fleuve puis avoir du fun partout. Puis voilà, c'est une place pour avoir du fun. Là, moi, il y a deux choses en fait. Je me suis dit, le fleuve, c'est un bien commun. Puis de la même façon, je voudrais que le bateau devienne un bien commun. Parce que je voudrais que les gens puissent se l'approprier. Qui puissent dire « Ah oui, ça c'est le bateau du Québec, c'est le bateau sur lequel on peut découvrir le fleuve, c'est le bateau... » Je voudrais que les jeunes, puis les moins jeunes qui passent, aient un sentiment d'attachement au bateau, d'une fierté aussi d'avoir un bateau qui navigue, puis qu'ils puissent revenir, puis qu'ils sentent chez eux, puis qu'ils sentent que ce bateau-là leur a apporté des choses, puis qu'ils aient envie de revenir. Fait que ça, c'est le bateau, un bateau bien commun, qui navigue sur un bien commun, qui est le fleuve. Ma définition d'un bien commun, ben c'est un territoire qui appartient à tout le monde depuis des centaines d'années. Et toi, c'était intéressant cet été, j'étais avec un autochtone de Maliotenam sur le bateau qui, eux, dans leur tradition, vont pas vraiment sur le fleuve. Ils pêchent les clams, comme ils disent, ou ils pêchent le saumon dans la rivière, mais ils sortent pas dehors. T'sais. Puis lui, il était super ému d'être sur le bateau. Il dit « OK, il s'est vraiment venu chercher dans son territoire. » Il dit « OK, ça, c'est vraiment notre territoire sur lequel on pêchait, sur lequel nos ancêtres sont arrivés, où il y a eu une vie, il y a eu toute une histoire par rapport à ça. » Fait que lui se réappropriait le territoire du fleuve, parce que c'est pas du tout dans la culture autochtone d'aller sur le fleuve. Fait que, donc, c'est pour ça. L'année prochaine, on fait un projet avec eux, avec la communauté. Et pour se réapproprier ce territoire-là, donc se réapproprier ce bien commun-là. Donc ça appartient autant aux Autochtones qui étaient là bien avant les colons aussi, puis nous aussi qui avons colonisé, puis qui l'avons utilisé comme développement économique, comme développement de tout ça. C'est un peu à cause du fleuve que Montréal est Montréal, que Québec est Québec. Et donc, mais le bien commun, c'est ça qui est dommage en fait dans l'histoire du bien commun, c'est que ça nous appartient à tous, mais on le connaît pas, fait qu'on peut pas trop se positionner, on peut pas nécessairement le préserver, on peut pas vraiment le développer correctement parce qu'on le connaît pas. Puis je trouve qu'on part vraiment de loin. C'est un bien commun, mais on n'en est pas conscient que c'est commun. Fait qu'un bien commun, ben c'est ça, c'est un bien commun. C'est quelque chose qu'on doit utiliser intelligemment, puis se positionner aussi comme un peuple. Je trouve que ça peut être même très fédérateur, comme au niveau de la fierté nationale, du sentiment d'appartenance. Tu sais, on dit souvent qu'on manque de projets rassembleurs dans la société. En tout cas, on dirait que j'aime croire que
le fleuve s'en est un. Il y a une ressource là, il y a un centre d'intérêt, il y a un effet fédérateur, rassembleur autour du fleuve, autour du bien commun. Parce que quand tu vends un projet, en fait, tu vends une idée à des gens qui sont pas nécessairement des rêveurs, qui sont des gens très pragmatiques. Fait que, tu sais, ils te regardent un peu comme un rêveur perdu. T'sais, ils disent aussi si t'en vas avec tes skis, qu'est-ce que tu veux, c'est quoi tu parles, ton bien commun. Fait qu'il faut adapter son langage un peu. Fait qu'il faut pas le présenter comme ça, parce que ça passerait jamais. T'sais. Au fond, les prémices là, que je vous raconte, c'est ce que je pense, au fond. T'sais. Mais il y a d'autres prérogatives aussi qui sont importantes, des considérations qui doivent être prises en compte pour réaliser un projet. C'est pas juste du rêve. Puis au début, c'est vraiment dans la perception. Pour ça, ça a pris, c'est quand même pris 12 ans. T'sais. Mais en fait, à le peaufiner, ça m'est souvent arrivé de me faire dire, il disait, on aime ça, ton idée, mais on sait pas dans quelle case te mettre. C'est pas besoin de me mettre dans une case. T'sais. C'est quoi le maudit besoin d'être tout le temps dans une case? Je suis pas dans une case, je veux pas dans une case. T'sais. On a un projet qui... la question, c'est pas est-ce que t'es dans une case ou est-ce que t'es pas dans une case, c'est est-ce que c'est bon, est-ce que ça marche, est-ce que ça a du sens, est-ce que ça remplit une fonction X, tu sais, ou bon. Fait que oui à tout ça, mais non à la case, t'sais. Bon, mais finalement, il y a des gens qui tenaient à me mettre dans une case, je leur ai fourni les cases qu'ils avaient besoin d'avoir. Tant mieux, puis ça, dans la mesure, tu sais, où ça peut fitter, tu sais. Comme à la base, comme un exemple, notre projet n'était pas touristique. Mais le tourisme répond d'une certaine façon à notre besoin d'en faire la promotion, de rejoindre du monde. On peut faire du tourisme intelligent. T'sais. On peut. Puis tourisme, ça ne veut pas dire amener des millions de personnes puis développer des marinas dans des endroits, sur des plages de sable, t'sais, ou d'exproprier des phoques pour construire une jetée en béton. C'est pas ça que ça veut dire. Ce qu'on a développé, en tout cas, ou à l'idée à laquelle on a adhéré, c'est une idée qui virevolte dans l'air à certains endroits, là, c'est du tourisme d'apprentissage. C'est une belle petite case. Tourisme d'apprentissage où c'est du tourisme, où il y a une plus-value, dans notre cas, qui est environnementale, où les gens apprennent, ils visitent, oui, ils découvrent Baie-Comeau, ils découvrent cette île, ils découvrent Matane, Rimouski. Mais en plus, ils apprennent des choses. Donc, ils apprennent à naviguer, ils apprennent sur l'environnement, ils apprennent sur eux-mêmes, ils apprennent à travailler en équipe. Fait qu'on le casse comme du tourisme d'apprentissage aussi. Bien, Écomaris, c'est un organisme à but non lucratif qui fait de l'éducation relative à l'environnement par l'entremise de projets concrets. Donc, nous, notre moyen concret privilégié, c'est un bateau. Donc, on prend un bateau puis on fait de l'éducation avec ça. On s'en sert comme un moyen pour éduquer les gens sur deux plans, mettons, d'un point de vue environnemental et d'un point de vue personnel. Ce qui me vient, il y en a sûrement d'autres, là, mais une qui m'avait vraiment touché, c'était une fille qui était venue avec nous pour un séjour de 3 semaines et qui était au cégep. Puis c'était une période de sa vie où elle devait se positionner par rapport à ses parents. Ses parents ne voulaient pas qu'elle aille à l'université en relations internationales. Ils disaient non, on ne fait pas ça. Ce que tu vas faire, c'est quoi la job? De relations internationales, tu ne vas pas te donner une job. Elle dit, tu devrais devenir infirmière à la place. Puis, le conflit a tellement dégénéré dans sa famille qu'elle a quitté le domicile familial. Elle est partie de chez elle, elle s'est retrouvée en appart. Ça, malgré elle, elle n'avait pas envie, elle n'avait pas l'argent nécessairement non plus. Puis, en voyage, en bateau, justement, elle décroche, tu sais, elle décroche, puis elle a le droit de penser, puis elle se rend compte que, ah, OK, ça peut être différent, puis qu'il y a d'autres choses dans la vie, puis elle voyait aussi que moi, je vivais un peu de ce qui me passionnait, puis on a eu cette discussion-là un soir, sous les étoiles, puis, tu sais, je lui disais, regarde, fuck that, tu sais, laisse faire, ça t'intéresse pas d'être fermé, oublie ça, tu sais, qu'est-ce que t'aimes? Écoute ça, juste ça, tu sais. Puis vas-y. Puis bon, ça a duré 2 heures. Puis à la fin, tu sais, je sens que ça l'a vraiment aidé par rapport à ses parents. Puis elle est revenue avec une position beaucoup plus ferme, beaucoup plus affirmée. Puis être capable de dire, regarde, moi, je veux ça. C'est pour mon bien. Ça va m'amener quelque part. Ayez confiance en moi. Si vous n'avez pas confiance en moi, tant pis, moi, je m'en vais par là. Puis finalement, elle est allée. Fait qu'elle a pris une décision par rapport à ça. Donc, c'est juste un contexte dont elle avait besoin pour prendre sa décision. Mais
C'est ça. Donc, nous, on offre un contexte qui permet... C'est de la liberté. Ça n'existe tellement plus la liberté dans la vie. Là. Nous, on donne une petite dose de liberté. Puis les gens, s'ils sont smart, vont l'utiliser correctement. Puis ils vont faire quelque chose de beau avec ça. Selon ce qu'ils ont besoin de vivre à ce moment-là. Fait que, moi, je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à quelqu'un, en fait. T'sais. C'est faire le cadeau de la liberté. Chris, ça sonne bien. Hein? Je te donne, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je donne la liberté au monde. C'est parfait, c'est ça que j'aime. Fait que... Okay. C'est un donneur de liberté. Salut, je m'appelle Simon Paquin, fondateur d'Écomaris. Ma job dans la vie, c'est de donner de la liberté.